what your mind can conceive and believe it can achieve. So now take this. God is grace of his to do the game. Born in actual born fighter. I beat this God blaze, horse and nigga bitch. The law for the Susans, kicking with intelligence. In my gathering, sound is trumpet, opposes. Beat his ambition, intention, vision, got the passion. Hitting the gleam, going with mainstream, making things happen. Then came the call on your ETV. A pro that's gonna make it do a new city. I be the recipe to your success. So now can we dig it? Just yesterday. Cette émission vous est offerte par Mutic is only made with high quality ingredients to ensure a distinctive, refreshing taste and a seriously good time. Mutic, Joie de Vivre of Cameroon. It all started with a dream, you know, instigated, pushed, motivated by his willpower to make it big in life. He managed along the way, you know, to crush down his setback. Today, he's like one of the mouthpieces in Cameroon, you know, speaking out for those people who are under the spotlight. Talking about the media world today in Cameroon, we call it, we know he's a fourth part, you know, he owes a lot of responsibility, you know, towards the Cameroonian government and to the citizen because they believe so much in him. But you will not find it very. I mean to say you will find it very interesting because he's a very young man representing the future generation. Life has not been easy for him, you know, coming out and spilling out the negative side of the government. You know, 1999 and the year 2000, he went on the self-exile. You can understand where I'm coming from. Today, his name means, it signifies death. And that's why they call him Nyem Popoli. What your mind can conceive and believe, it can achieve. Africa, believe in yourself is the core. And you know your guests, you know my director, you know my name. I'll see you on the other side. To the face when
Presse camerounaise depuis plus de 20 ans et j'ai dessiné tour à tour aux combattants, aux messagers. Et aujourd'hui, je dessine pour le journal satirique Le Popoli. Okay. Voilà, aujourd'hui, c'est mardi. If, with your permission, il y a beaucoup de gens, je vois, il y a les femmes et les hommes. You know, I see that you're harboring a kind of like a future generation here. Mm-hmm. You're giving them that hope, you know, to grab the dream, mm-hmm. you know, through you. And I want to say you're doing a very great job. So if you can like introduce your staff to us, I'll be so happy. Voilà. Juste devant vous, celui qui vient de passer, c'est le dernier de la maison le plus petit. Okay. C'est Liken. C'est un très grand dessinateur. Wow. Et je pense que il a beaucoup plus à donner dans les jours à venir. Okay. C'est quelqu'un sur qui le monde de la caricature compte beaucoup. Oui, c'était moi. Et bon, alors là elle s'appelle Lucie. Lucie, son vrai nom c'est Lucie Choa. Okay. Et Lucie est une sorte de gouvernante pour la maison. Okay. Celui qui est en train de sortir, c'est celui qui est chargé de la comptabilité. Okay. Non, qui est chargé de la publicité chez nous. C'est le commercial, le directeur commercial de la maison. Il s'appelle Patrice Nkana. Celui qui est le directeur exécutif du Popoli, c'est El Pacho. Il dessine, il fait comptabilité, il fait le reporting, il fait tout ce que ce dont on a besoin au Popoli. C'est une sorte de touche-à-tout dans la maison. Et donc, c'est lui qui dirige la maison. Quand je ne suis pas là, ou bien quand bien même je suis là et que je suis tourné vers d'autres domaines tels que le développement de l'entreprise. Okay. Dovan dirige la rédaction. Il est le directeur des rédactions. Parce que je dis des rédactions parce que nous en avons. Il y a la rédaction du Popoli, donc journal satirique. Oui. Et nous avons une autre publication qu'on appelle le manager. Et donc, journal de l'économie. Donc, Dovan dirige les deux rédactions. Dovan est aussi mon patron parce que quand il faut maintenant m'asseoir pour dessiner, Dovan est obligé de me donner la feuille de route, quoi. Oui, le directeur des rédactions dirige la rédaction. Et le caricaturiste fait partie de la rédaction. Donc, il organise les conférences de rédaction, il organise les reportages, il les reçoit et il répartit qui doit dessiner. Alors, les deux dames s'occupent, c'est Madame Massou maintenant. C'est ma petite sœur. C'est pour ça que vous avez entendu le nom de Niem, c'est ma petite sœur. Madame Massou Augustine. C'est elle qui coordonne le manager, dont la publication dont je vous parlais tout à l'heure, qui a trait à l'économie. Vous avez vu, c'est une sorte de magazine manager. Oui, qui est publié dans la maison. It's more of l'économie of Cameroon. Tout à fait. Okay. Donc, elle vient d'arriver. Elle travaille avec nous depuis quelque temps sur les problèmes de la comptabilité, des impôts et tout ce qui touche à l'argent. Voilà. Alors vous êtes dans une salle, si vous avez remarqué très bien, nous avons été victimes récemment d'une sorte d'incendie. C'est pourquoi ça fait un peu plus noir là à l'intérieur. Parce qu'il y a encore les stigmates de l'incendie qui a ravagé la maison et principalement cette comptabilité. What happened? What caused the fire? Juste à côté, il y avait le feu a pris chez le voisin. Et puis, ça a embrasé la maison. Dieu merci, nous n'étions pas là à ce moment-là parce qu'on aurait connu beaucoup plus de dégâts. C'était au mois de décembre dernier. And since then, I understand it's a very difficult moment for you. How have you managed like, to put your staff together pour recommencer? Un sort de recommencement. Je pense que c'est vraiment si difficile. C'est difficile, mais je pense que la plupart du temps, les difficultés nous ont la plupart du temps soudés. Plutôt que de nous affaiblir, on essaie de revenir, de reconstruire, de repartir. Ouais. Nous faisons comme les Américains. Quand
on a bombardé, quand les Japonais avaient bombardé Pearl Harbor, ils se sont regroupés, ils ont décidé maintenant d'aller à la contre-attaque. Donc nous travaillons maintenant dans une sorte de logique de contre-attaque, essayer de remonter, ne pas rester la tête dans l'incendie. When I look at your staff, so far you've presented a good number of persons. I discovered that it's like they are all young people, ils sont tous jeunes. Mm-hmm. And you yourself, you're a very young person, a young boss. How do you collaborate with them? How do you make them that to give you that respect that you deserve? Je crois que pour diriger une entreprise, il faut beaucoup plus se focaliser sur les valeurs que doit symboliser l'entreprise et non sur la personnalité même de celui qui dirige l'entreprise. Et pour nous, constat a été fait que la jeunesse, c'est l'âge de la volonté. Quand vous travaillez avec des jeunes, s'ils ont quelque chose à donner, ils ne peuvent le donner qu'à cet âge-là. Et la philosophie qui est la nôtre est celle surtout de faire en sorte que nous puissions gagner sur la volonté des gens. Vous savez, au sein des médias, il y a surtout la volonté comme élément de force qui permet aux entreprises de pouvoir essayer de se maintenir et de survivre. Donc, pour nous, la jeunesse a été ce qui nous a permis jusque-là de pouvoir tenir. La volonté des jeunes était ce qui nous a permis de tenir. Et surtout, ils ont envie d'apprendre. Tous les jours, ils se remettent en question, ils repartent. Ils n'ont pas de clichés figés. Ils ne vivent pas selon des images ou des idées reçues par le passé. Nous sommes à l'heure des changements brutaux. Et donc, forcément, il faut travailler avec des gens qui sont capables de s'adapter aux changements brutaux. Généralement, ce sont les jeunes. Nous travaillons et... Donc si je comprends, après la conférence le matin, oui. Each person has been assigned to a report. Oui. Including you. Oui. You are the boss here. Oui. But there's somebody who gives you orders, right? Yeah. Vous êtes le boss ici, mais il y a une autre personne qui vous dirige, le rédacteur en chef. Oui. Donc chaque matin après la conférence, everybody is assigned to do whatever he or she is supposed to do. Mm-hmm. Donc après... Quand il part sur le terrain et rentre avec le papier, ça se passe maintenant comment? Parce qu'à la télé, c'est différent. Mm-hmm. Comment ça se passe chez vous? Chez nous, quand on part sur les terrains, ouais. On ramène l'information, ouais. On écrit et on soumet l'information à l'attention du rédacteur en chef. Okay. Lequel rédacteur en chef étudie l'opportunité de publier l'information. Essaye de déblayer, essaye de voir quelles sont les trappes qui peuvent nous mener vers les parquets. Parce que ça, il faut tenir compte de cet aspect-là. Okay. La forme à donner au papier, la saveur, je voudrais dire. Et donc, il oriente l'écriture des papiers. Dès qu'il a fini de les orienter, il les passe ici. Et ces papiers arrivent sous la forme de tapisserie. Okay. Qu'on saisit. Fais-moi voir une page de l'autre côté. Fais-moi voir une page de montage. Sur ta machine, c'est mieux, peut-être. Ah, d'accord. Et
de ce papier-là, on en vient à avoir un papier comme celui-ci. Malheureusement, nous sommes au niveau de la publicité. Là, on n'est pas encore au niveau de... J'aurais aimé voir vous n'avez pas une page montée quelque part qui symbolise un peu le Popoli tel qu'il a été souvent vu. Dans notre travail, en fait, ça se passe comme ça chaque jour. Chaque jour, oui. Lundi à vendredi. Mm-hmm. De lundi à vendredi. Et pour nous autres qui avons un peu plus de travail, on continue. Oui. Vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Tu vois, c'est un peu plus grand si tu essayes de faire voir ça un peu plus, de façon un peu plus grande pour qu'il essaye d'avoir une idée de l'élément que le dessinateur que je suis reçoit. Voilà. Vous voyez, il monte sous cette forme-là. Et okay. Les espaces qu'il laisse libres sont des espaces sur lesquels je dois venir dessiner. Ok, voilà. I understand now. Voilà. On a fini à la cuisine, donc cette partie, on appelle ça comment, la chambre? Le studio. Bonjour, good morning. Bonjour. Voici Christian. Christian coordonne le studio. Et le studio est chargé de la création graphique. Et voilà Rodrigue. Rodrigue est un infographe également. Il était logé de l'autre côté. Nous sommes revenus de ce côté-ci parce que nous voulons être un peu plus proches pour travailler un peu plus, plus en groupe. Donc, il y a quelques personnes qui manquent, mais... Je crois que c'est l'essentiel du... Donc vous avez loué ici, là? You're renting here? Oui. Forcément, on ne peut pas... On n'a pas encore les moyens de pouvoir se donner. Ah, je ne vous ai pas présenté. Je sais le visage, c'est là depuis. Voilà. Lui, il signe sous le nom de Paolo Ngombe. Il écrit dans... Il s'occupe de la rubrique sportive. Et il est le secrétaire de rédaction. Je veux dire que c'est lui qui assure la navette entre le directeur des rédactions, les dessinateurs, les reporters et le service technique. Je pense que je n'ai jamais partagé le point de vue selon lequel... la situation géographique de quelqu'un constitue une sorte d'handicap pour la personne. Le fait de naître au village, de courir sous les manguiers, de s'amuser, est une façon de vivre, de mener sa vie. Et donc, moi, je suis né dans la forêt du centre. Je suis de la communauté Bassa. J'appartiens à une famille bien nombreuse et donc j'ai appris à me défendre au milieu d'une population immense et à essayer de me conformer à la loi sociale qui voudrait que chacun essaye de se battre pour pouvoir trouver sa survie. Donc, j'ai grandi, je suis allé à l'école comme tous les autres, je suis allé à l'université. Et puis, j'ai commencé à dessiner. Je partageais le temps entre les salles de rédaction et les amphithéâtres jusqu'au moment où... l'intérêt pour ce que j'étais en train de faire dans les salles de rédaction s'est avéré un peu plus grand que la voie des études. Okay, but before mais c'est vrai, je continue à étudier aujourd'hui. Hein, yeah, before we get there because you're going like too fast already. Okay, but today, if you're looking at the Cameroonian population, like 30%, your parents able like to give you that quality education? Because I know it's not easy in Africa, especially in Cameroon. Oui, bon, ils se sont démenés. Ils me payaient les études. Ils voulaient avoir le retour de ce qu'ils étaient en train d'investir sur moi. C'était très difficile pour eux également. Vous savez, quand on est né dans la forêt, c'est qu'on est né dans un petit village et forcément qu'on a un parent qui n'est pas forcément bien nanti. Donc
ils essayaient quand même malgré tout. Ils ont vite compris que c'était important pour tous parents de montrer le chemin de l'école aux enfants. Et je crois qu'ils ont eu raison parce que, quel que soit ce que l'homme est appelé à faire aujourd'hui, la passerelle incontournable se trouve être la passerelle de l'éducation. Vous voulez coiffer. Pour mieux coiffer, il vaudrait mieux apprendre à parler français déjà ou à apprendre à parler anglais. Ce qui voudrait dire que vous avez une capacité d'accueil de la clientèle que vous désirez avoir. Donc, ça a été tellement important. Et pour ce qui me concerne, je crois que le plus facile à mon niveau était de dessiner. Ouais. And so finally, when you got your bac, you got to the University of Yaoundé. You read economic science. Science économique. Science, oui. Économique. Oui. Papa dit souvent que non, I want my son to be a doctor. Maman va dire que non, je veux que lui soit avocat. Un truc comme ça. Did you make that choice to read economic science? Non, surtout pour ce qui me concerne, le choix a été fait par mon grand frère. Il avait voulu déjà depuis le collège que je fasse comptabilité. Et donc, mais moi j'étais vraiment pas très nanti. Je n'avais pas le réflexe facile pour ce qui était de l'algèbre. Je vais faire comptabilité, ce qui suppose que je sache faire l'addition. 1 plus 1, 2 moins 2. Et donc, à cette époque-là, mes notes déjà au niveau de l'école primaire en arithmétique étaient très 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 mauvaises. En contrepartie, j'essayais de m'en sortir un peu quand il s'agissait du français, de la géographie. Donc j'étais un peu plus programmé pour faire par exemple la série A une fois au lycée, ce qui n'a pas été possible. Mon grand frère voulant me voir devenir comptable dans la vie. Donc, je suis parti faire comptabilité contre fortune bancaire. Ok, I understand. And when you graduated, you know, or doing economic science, the next step for you, did you ever like try to find yourself in the job market to look for a job, or you just wanted to start drawing? Vous voulez commencer une fois, like a cartoonist? Bon, moi, je ne savais même pas que c'était un métier, hein, qu'on pouvait gagner de l'argent. Je savais qu'il y avait des dessinateurs de bandes dessinées en Europe qui publiaient Black Le Rock et autres. Et je rêvais un jour de me retrouver dans une de ces salles de création en Italie pour essayer de travailler aussi comme les Black Le Rock. Mais il s'est trouvé que j'ai été vite contacté par les éditions au Cameroun. Et que je n'ai pas eu la possibilité d'aller ou le temps d'aller déposer une demande d'emploi dans quelque entreprise que ce soit. Lucky, possible. Mais bon, je veux dire que mes dessins sont arrivés dans les salles de rédaction un peu plus tôt que je ne le pensais. Et puis j'ai vu les responsables des rédactions venir me chercher alors que j'étais encore au lycée. Because when I see you draw today, fait un petit dessin, oh, je ne comprends pas. Comme lui, one of your employees. Je crois que c'est ça qu'il a été fait, mais oui, non. Moi, je ne peux pas. Même le droit, je ne peux pas. Did you learn it anywhere? Non, à la maison, hein. C'est à la maison. Je veux dire, mes grands frères dessinaient. Yeah. Mais presque tous les miens ont dessiné. Et on lisait beaucoup les bandes dessinées à la maison. Ce qui fait que de l'univers fantastique des bandes dessinées m'est venue l'envie de créer mes héros à moi. Vous savez, quand on lit Black Le Rock, quand on lit Hakim, on trouve que ils sont très forts comme héros, ils sont très forts. Mais il y a des gens au-dessus de ces héros, ceux qui les ont créés. Et donc, moi, je me suis dit, mais attends, s'ils sont si forts comme ça, là, moi, je peux fabriquer des héros qui peuvent les vaincre. Pourquoi pas Spider-Man, oui, il est fort. Mais Spider-Man, il peut être battu par quelqu'un, surtout si c'est moi qui donne des injonctions à cette personne-là.
Et donc, à partir de ce moment-là, je commence à fabriquer des gens que je considère comme étant les anti-Spider-Man. C'est là que me vient l'idée de dessiner, de faire des bandes dessinées, de raconter des histoires. C'est une inspiration. Mm. Ok, so when you left university, you had other opportunities, like you wanted to excel as a cartoonist, but not having the idea behind of your mind that you wanted to make money so fast from it because it was just a passion for you. Oui, so how did you come like getting in contact, you know, offering your services for the combat app before you got to le messager? Bon, how was all that possible? Je dessinais, je fabriquais des bandes dessinées que je faisais lire à mes camarades de classe, aussi bien au collège qu'au lycée. Et alors que j'étais encore au lycée, il y a une de mes bandes dessinées qui a circulé et est arrivée par la voix d'un lecteur, par le canal d'un lecteur au niveau de la rédaction du journal Le Combattant. Et ils ont été intéressés par l'illustration, ma qualité créative, et ils étaient sur un projet de lancement d'un journal quotidien. Ils se sont dit, je ferai bien l'affaire, je dessinerai bien là-bas, et donc ils m'ont admis en stage au Combattant pour après me retenir comme dessinateur principal de la maison. Ok, so you work with this local printing press for a while. C'était la condition de travail, le salaire, non, je pense que le combattant à l'époque me payait normalement, mais il s'est trouvé que l'offre du messager était un peu plus grande, et j'ai dû appeler mon grand frère pour lui en parler. Lui, il trouvait que le messager présentait plus de perspectives, était un journal un peu plus, qui avait de la réputation, de la renommée. Et, il pensait aussi que j'étais un peu trop porté vers le commentaire politique. Donc, le messager qui avait un timbre politique un peu plus développé à l'époque me convenait par rapport aux combattants qui étaient un peu trop fait divers. Et lui-même, d'ailleurs, mon grand frère, il était lecteur du messager. Et il s'est dit qu'il achetait le combattant parce qu'il lisait mes caricatures. Si j'étais au messager, ça lui ferait un peu d'économie qu'il achète uniquement le messager. Okay. Donc, cool. Je suis le messager aussi à ce moment-là. Mais moi, je n'ai pas fait le pas vers le messager. Le messager m'a fait la proposition. Parce que, inspiré par quelqu'un qui était aussi, qui aimait mes dessins et qui m'en parlait régulièrement, ce qu'on appelle Célestin Monga. Et donc, Célestin disait au messager à l'époque, si vous voulez étoffer votre équipe encore, il vous faut ce dessinateur. Ok, donc, so if I understand, it means the CEO of Messager admired your cartoonist work. Oui. And invited you over to come work for him. Voilà. So when you started working for him, you came up with the concept, Le Popoli. Mm-hmm, c'est où? You came up with that concept, Le Popoli, under Le Messager. Je suis arrivé au Messager, je dessinais, j'avais un petit carré où je dessinais, donc je faisais un dessin par semaine et puis le reste du temps je me promenais, je n'avais rien à faire. Donc je gagnais quand même un peu. It was your concept, Le Popoli. Le Popoli, ça a été mon... Le Popoli, à la base, ça a été mon nom. Quand j'étais sur la cour de l'école, tout petit, on m'appelait Popoli. À la maison, on m'a toujours appelé Popoli. Et donc, c'est un petit nom d'enfant quand on appelle quelqu'un Toutou, Coco. Oui. Et donc, moi, quand je signe, mon nom est un peu plus long. Hein. Je m'appelle Niem Tog et Paul Lui. Et quand il faut signer, je ne peux pas signer ces quatre noms sous un dessin, il n'y a pas assez d'espace. Surtout qu'on me laissait un peu d'espace, oui. Donc, alors, déjà au collège, quand il fallait signer, je signais Niem Popoli. Il y a beaucoup de Niem chez nous. Bon, généralement, on m'identifie, on m'a toujours identifié comme Popoli, même dans la cour de l'école. We are talking about business and making money. Donc maintenant, vous parlez du projet Le Popoli qui est sorti sous la forme d'un satirique. Yes.
au messager. What were the terms of the contract? Because moi, j'ai commencé le travail par rapport à signer le contrat. You sign contracts. So with Onyem, ça s'est passé comment? Bon, mais quand je viens signer le contrat au messager, il m'est uniquement demandé de dessiner, et donc l'espace réservé au dessin, c'était un petit carré qu'on a toujours appelé le carré de folie dans un journal. Il y a un messager. Un messager, voilà, merci. Voilà, et c'était à la page 2, un petit espace comme ça. J'étais chargé de fermer cet espace en y mettant un dessin. C'était tout mon travail, oui. Et je vous rassure que à l'époque, on me payait quand même un peu plus bien. C'est la vérité. On m'a payé plus bien que quand j'animais cet espace-là, que quand j'ai commencé le projet du Popoli, qui était toute une publication qui paraissait à l'époque deux fois dans la semaine. Okay. So if I say at that epoch, you were given just a space like this for you to come up with your cartoon work, and you were paid something. At that moment, you know, were you thinking that moi je peux commencer ma vie, c'est moi that's drawing? Oui, parce que vous disiez qu'à l'époque on vous payait quand même, c'était pas mal. Oui. Et dans votre tête, ça passait comment? Oui, moi je peux continuer comme ça pour gagner beaucoup. C'est moi, tu das drawing. Non, j'étais content de gagner ce qu'on me donnait à la fin du mois. Il faut le reconnaître. Mais moi, je sais très souvent que dans un milieu humain, il ne faut pas se contenter du plus facile. Au messager, à l'époque, c'était plus facile qu'on vous fasse un bon cachet, que vous travailliez, mais vous n'y êtes pas pour très longtemps parce qu'en fait, finalement, on se rend compte que vous n'avez aucun pouvoir. Un petit carré de dessin dans un journal de 12 pages, à l'époque, c'était même 16 pages, signifiait aussi que on peut fermer ça avec une petite publicité et bye bye, vous êtes dehors, on vous étiquette. Oui, c'est vrai. Et donc, moi, je me sentais bien d'avoir un salaire. J'avais un peu peur de ne pas l'avoir pour très longtemps. Okay. Because somehow, I would say, you know, people are like so much interested, you know, they know what is happening in the media world. Yeah. Some of them say you made the messager popular. Do you about that? Oui, c'est moi qui ai créé. C'est à cause de vous que les gens, beaucoup de gens commençaient à acheter ça, à lire le messager, à cause de vos dessins. C'est petit parce que c'était à cause de vous. Je ne sais pas, mais je pense que c'est. Are you aware of that? C'est prétentieux de le dire en réalité. Quand j'arrive au messager, le messager est en train d'imprimer 56 000 exemplaires par parution. Ce qui veut dire que le journal avait déjà cette crédibilité-là. Okay. Et quand j'arrive au messager, ce que je sais quand même, c'est que deux mois après, nous sommes passés à 70 000 exemplaires. Et moi, je suis fier d'avoir appartenu à l'époque où le messager imprimait 120 000 exemplaires. Bon, je ne pense pas que ce soit moi, mais je sais que mon dessin a pris quand même un peu plus de relief quand je suis arrivé au messager, parce que au messager, on n'hésitait plus, ce qui était quelque chose d'étrange pour une rédaction qu'on regardait de l'extérieur comme étant une rédaction un peu plus conservatrice. De voir la une du journal avec la caricature, une caricature qui barrait tout le truc central, la locomotive. Donc, je pense que j'ai accompagné l'émergence d'une publication. Je ne pense pas que j'ai été la vedette, le pichichi de la rédaction. Okay. And Paul, I want you to tell me the truth. What transpired between you and Pierce Jawe, that's your former boss? Why did you leave all of a sudden? Ça commençait à devenir très difficile, vous savez, ça commençait à devenir très difficile. Partout où on parle argent, on finit toujours, et ça c'est un constat que j'ai eu à faire, partout l'argent s'impose, les façons de faire aussi changent. Les finances influencent énormément les rapports humains. Je crois que
Il y a entre Pius et moi le fait que l'argent a été ce qui nous a unis quand on s'est rencontrés la première fois parce qu'il m'a tendu un contrat. Je pense aussi que c'est l'argent qui a travaillé à nous, qui a impacté négativement sur la relation quelques années après. Bon, mais cela a eu d'autres. C'est passé par beaucoup de canaux qui ne sont pas forcément les canaux d'une dispute directe et ouverte. Il y avait beaucoup de manipulations au sein de la rédaction et. On en est arrivé à le persuader que ce n'était pas lui qui était le patron du Popoli. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, il a pensé se débarrasser de moi. He asked you to leave. Vous savez, on n'a pas besoin. Ça a été bien écrit sur le mur. Oui, je pense. Hein, parce que. Je pense que j'ai travaillé dans deux rédactions au Cameroun. La rédaction où il a commencé à me manquer même de quoi m'asseoir, c'était au Messager. Ouais, les derniers mois quand il fallait partir. Donc, mais c'est pas. Je pense que il ne faudrait pas qu'on regarde la difficulté comme étant quelque chose de foncièrement négatif. Les difficultés nous forgent à la dure, nous permettent de grandir. Pour ce qui me concerne, les difficultés que je rencontre dans la vie me permettent plutôt de bien vieillir, quoi. Je suis arrivé en 91 au Messager. Et puis, je suis reparti du Messager en 2003. Donc, de ce séjour-là, j'ai créé le Messager Popoli à l'intérieur de la rédaction du Messager. Donc, le concept du Popoli est né dans le Messager. Et pourquoi le Messager Popoli? Parce que quand j'ai apporté le concept, il n'y avait pas de nom pour le proposer à Pius. Et quand je le propose à Pius, il dit, bon, on va le faire. Mais quel est le nom? Si on met le Messager, ça va déteindre sur l'autre Messager et le lecteur ne saura pas quoi prendre. Et puis, on a commencé à discuter et on en est arrivé au point où il fallait mettre le Popoli, donc le Messager Popoli, parce que les gens connaissaient déjà la plume de Popoli. Et d'autres appelaient les dessins à ce moment-là les Popoli. Donc, en mettant le Messager Popoli, on indiquait que c'est le Messager sous forme caricaturée. C'est comme ça que le nom du journal. Mais je vais expliquer que durant toute la période où nous étions là, cette publication était entièrement financée par l'entreprise qui édite le Messager. Et les retombées de cet argent. De cette publication-là était la propriété de cette entreprise. Moi, je fonctionnais comme un salarié et je travaillais comme un salarié. Ok. So today, what's your relationship with Prince Jawe, your former boss of the Messager? De bonnes relations. On a connu des moments un peu perturbés. Particulièrement, je me suis retrouvé à mal prendre ce qui est arrivé. Je me suis dit qu'il n'y avait pas de sincérité entre les gens parce que Pius, il était, à l'époque, il n'était pas simplement mon directeur de publication, c'était comme mon grand frère. Je passais beaucoup plus de temps avec lui, avec ses enfants. Et puis arrive une sorte de courant dans la maison qui en réalité voudrait que je parte beaucoup plus par la frustration et ne me l'ayant pas dit de manière ouverte, il a fallu que quelque chose soit fabriqué et à cette époque là ils ont donc commencé à dire bon, on a parlé d'un coffre-fort qui était dans oui
d'un coffre-fort qui était dans la maison et qui aurait disparu. Et on a pris beaucoup de gars avec qui je travaillais. On se retrouve devant une situation rocambolesque où on parle des voleurs qui sont dans la maison et quelques temps après, on ramène le gardien qui vient dire « Oui, cette nuit-là, j'ai vu telle personne. » Il cite les noms des gens. Ce gardien, il était dans la maison, ça ne faisait pas 2 mois. Il était interdit d'accéder à la salle de rédaction. Et vous connaissez certains de nos frères du Septentrion qui ne fixent pas très bien les gens. Ils ne connaissaient pas très bien certaines personnes. Il s'est mis à citer des noms. Et il a fini par reconnaître plus tard qu'on lui avait donné ces noms-là à lire. Alors, donc, c'était de la manipulation. Et puis, à la fin, je me suis rendu compte que le fait pour moi d'avoir protesté m'avait mis directement en face de Pius, donc en opposition ouverte avec lui. Je n'étais pas d'accord qu'on aille garder en prison les enfants de Trouy au prétexte qu'ils ont fait partir en coffre-fort. Et cette histoire-là s'est terminée en eau de boudin, bien après. Mais entre-temps, bon, il a fallu que chaque fois Pius taille mon salaire, bon, et tout ça. Moi, je pense que c'était une démarche destinée à me décourager, à me pousser à dire, bon, allez, je m'en vais, parce que là, ça... Et c'est ce qui est arrivé, hein, finalement. C'était le premier numéro du Popoli, c'était la une du premier numéro du Popoli, quand nous sommes partis du Messager. Que ce jour-là, nous avons travaillé pratiquement dehors. On n'avait pas de bureau, on avait un petit ordinateur, on n'avait pas d'abri. On a bouclé le journal ce jour-là, toute l'équipe s'est rendue à l'imprimerie, on a tiré le journal et c'était pratiquement de la joie. On s'embrassait quand on avait vu le premier numéro de ce journal. How did you come up with the sponsors to start this business? Si je ne peux pas vous expliquer cela, cela reviendra à dire que le coffre-fort a disparu effectivement. Et ce que contenait le coffre-fort a servi à lancer le Popoli. Voilà. Okay. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est que bon, quand je décide de m'en aller, je décide de m'en aller en restant au Messager. C'est-à-dire que je commence à ouvrir les portes de mon studio, à prendre un petit ordinateur. C'est directement ici. Non, non. On avait une petite salle comme ça, là. Oui. Et je payais 65 000 francs pour occuper cet espace-là. Et j'avais une secrétaire. Pendant ce temps, tous mes anciens collaborateurs là, qui sont devenus même des transfuges, qui sont comme moi devenus des transfuges du Messager, travaillaient encore au Messager. Donc je monte le projet de faire création graphique dans un premier temps. Laisser le Popoli au Messager. Et puis, quand je démarre avec la création graphique, je commence quand même à avoir un peu d'argent comme ça pour vivre à la maison. Voilà, pour tenir à la maison. Et puis, maintenant, en causant avec des gens, des amis, il y a certains qui me disent que, mais écoute, c'est quoi? Pourquoi tu vas te faire humilier tout le temps dans un journal que tu as servi? Pourquoi tu vas rester comme ça là? Il faut que tu partes. Si c'est pour une question d'argent, on va te trouver de l'argent. Il n'y a pas de problème. On va te trouver de l'argent. Donc, je veux dire que le clash qui survient entre Pius et moi permet à certaines personnes de m'approcher pour me dire, mais écoute, il n'y a pas, on va te donner de l'argent. Curieusement, tous ceux qui me l'ont dit ont fui au moment où il fallait maintenant apporter le numéraire. Ils ont taillé, ils ne me prenaient plus au téléphone, ils ne faisaient plus rien. Bon, là, sauf que nous n'avions pas encore lancé le journal. J'ai un frère qui a un cabinet d'avocat spécialisé dans la propriété intellectuelle parce qu'il fallait passer par là déjà.
la propriété intellectuelle. Alors lui, il a travaillé énormément en 3 mois pour que la sincérité au niveau de la propriété du titre Le Popoli puisse revenir à Popoli. Voilà. Bon, mais ça, c'est pas ça qui apporte de l'huile dans le moteur, quoi. Maintenant, il faut trouver de l'argent. On n'a pas d'argent. Et je suis avec celui qui est le directeur de la rédaction aujourd'hui, Dovan, et Pacho qui est le directeur exécutif. On avait des séances de nerfs là, chaque fois. Parce que chaque fois, notre projet a chopé sur le fait que où est-ce qu'on va trouver de l'argent. C'est là où ma femme, un jour, nous voit vivre cela. Et elle me dit, écoute, j'ai mon frère en Allemagne qui m'envoie de l'argent pour lui acheter une maison dans la zone de Makepe et autres. Alors, comme il n'a pas encore fini de faire des apports, mais l'argent est quand même un peu plus consistant. Si je vous donne cet argent et que vous démarrez cette activité, parce que je ne vais pas lui dire, mais si je vous démarre cette activité, est-ce que vous êtes sûr que vous allez me rembourser cet argent à temps pour que je parvienne à remettre ça et que vous continuiez à tourner. C'était vraiment un risque. Tu veux que je te dise? Et je te dis, je reste reconnaissant face à ce genre de choses. Et ce jour-là, on dansait sous la pluie, vraiment. C'est comme ça qu'on a démarré. Wow. Ouais. C'est comme ça qu'on a démarré. Je vois, ça c'est le président. Oui. Notre président avait les Santiago, je ne sais pas si c'est les pointini, c'est quoi là, je ne sais pas. Les pointini, nini. Quand tu, les cheveux qui plus tu fais nini, plus ça, la chaussure va encore plus loin. Okay. Et ça c'est Issa Chiroma. Chiroma Bakari. Lui, ici là, il est comme un mouton, je ne sais pas. What is the message you want to send across by disfiguring people? Non, je pense que la technique qui participe à défigurer le personnage, en réalité, ne recherche qu'une chose, reconstruire le personnage de telle sorte que quand on voit le personnage, on ne lit pas simplement sa forme physique, ses traits, mais ça ressort ce grand trait. S'il est vicieux, vous savez que c'est un vicieux qui est en face de vous. S'il est malin, s'il est mesquin, s'il est intrigant. Donc, la caricature a ce génie-là de reconstituer le personnage au point de lui de ressortir ses traits de caractère aussi. And today we have le manager. Will you call yourself a journalist or a businessman? Je suis dessinateur. En fait, ce que je fais le mieux, c'est je passe beaucoup de temps à dessiner. Ce que j'aime le plus, c'est de rester dessiner.
Ce que je veux le plus, c'est de dessiner, de dessiner, de dessiner toujours. Quand je vais à un reportage, je n'ai pas la même passion du reporting que la même passion que la passion du dessin. J'aime encore moins l'administration que le reportage. J'aime pas me retrouver très souvent dans les choses de aller compter chaque fois tel argent que je dois attendre de mes après, c'est tel argent. Je n'aime pas aller bavarder très souvent avec le banquier chercher à le convaincre de me donner un peu plus d'argent pour essayer de faire tourner un peu plus la maison. Bref, ce que je suis, vous savez, il y a des enseignants qui ont été des recteurs d'université, qui des proviseurs. Mais l'enseignant sera toujours enseignant. Moi, je suis dessinateur. Je reste dessinateur. D'ailleurs, quand moi, je passe en route, la plupart des temps, on dit, tu vois, c'est Niem. Et très souvent, j'entends les gens dire qui est le dessinateur. Donc, on ne se souvient pas trop de Niem, chef d'entreprise. Et je préfère que ce soit ainsi, quoi. I want to thank you, you know, for being out there, you know, taking out time to come sit in front of your TV set, you know, to communicate with us. My name is Queen Bey, and my director remains Eric Marcia. Welcome. Africa, the rules remains the same. Send in your mails to the show is going on at Yahoo.fr. You know, for more information, log on to the core, the skyblog.com. The blog ends with a G. Africa, I thank you. I thank you so much. Don't hesitate to send in your questions, you know, proposals, you know, the way you want the show to be carried on, you know, because we are doing this thing for you and we're doing it with you. Believe in yourself. Remember, you are living for Jah Kingdom. If not, your broken pieces, you find it very difficult putting everything together. Believe in yourself. You can be like Niem Popoli and even more than him. And that's what Africa is all about. Cette émission vous est offerte par Mutic is only made with high-quality ingredients to ensure a distinctive, refreshing taste and a seriously good time. Mutic, Joie de Vivre of Cameroon. Yeah.